Re, une petite dernière pour la route. Il s'agit d'une vidéo que j'ai faite la semaine dernière concernant le ACER, le bon vieux ACER, vous vous rappelez? Eh bien, je vais vous demander qu'on prenne quelques instants en silence, en son honneur. Voilà. Vous avez compris ce qui s'est passé. Il n'a pas survécu à la dernière expérience. J'ai fait une vidéo d'une heure 20 minutes, je crois. Donc, au cours de cette vidéo, ça s'est pas très bien passé. Ensuite, j'ai tout tenté pour essayer de sauver la carte. Impossible. Vous allez voir. Là. Donc j'envoie la place de 19 volts, j'envoie 1 volt. Bloqué à 1 ampère. Hop, on a un petit point là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, nous avons un petit point là-bas. Juste par ici. Voilà. Donc il a pris cher. Ensuite, je l'ai passé de l'autre côté. Je dis peut-être ça va fonctionner. Ben, ça a fait pareil en fait. Cette résistance-là, elle a pris un peu cher, mais la carte, elle démarrait quand même. Et voilà, j'ai fini par me placer ici. Ça, c'est la sortie du 5 volts. Et ça, c'est la masse, bien sûr. Donc voilà. Donc on va enlever notre condensateur. On va voir si ça va fonctionner. Donc, le résultat est le même. C'est comme si j'avais court-circuité le 19 volts. Déjà, je me raccorde. Ouais, je l'ai fait cette vidéo parce que je l'avais promis. Donc, comme ça, c'est fait. Conso, on va peut-être augmenter un peu. On va voir comment elle réagit, la carte. Est-ce qu'elle va partir? Ou pas. Ça, on n'en a pas besoin. Vous voyez encore, c'est moi qui vois plus rien. Oh punaise. J'ai peut-être cramé quelque. Là, je crois que j'ai cramé quelque chose. Ça ne devrait pas se passer comme ça. J'ai peut-être cramé le deuxième MOSFET, probablement. La caméra, ça sera celle-là. Moi, je m'étais soudé là. Et ça sera. Ça y est, j'ai trouvé le moment où c'est arrivé. On y va. 20-30 milliampères, c'est rien, j'ai pas encore branché. Là, je branche. Il s'est passé quelque chose. Ça a fait un petit quelque chose. J'ai entendu un petit bruit. Ouais, il y a quelque chose qui a cramé. Ça sent le cramé. Ouais. Voilà, c'est arrivé comme ça. Voilà. Donc il y avait une personne qui m'avait plusieurs fois demandé de faire une vidéo en court-circuitant le 3,3 et le 5 volts. Et ben malheureusement, c'est fini les tests. Je peux plus parce que la carte elle est morte. Peut-être si un jour je trouve la même carte, je sais pas. Donc je vous mets la fin. 1h20. Voilà, c'est fini. Il y a plus de réaction là. Ouais, là, c'est fini.
Voilà. Ouais, ça peut être plein de choses. J'arrête. Allez. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas sûr d'envoyer cette vidéo. Ou peut-être, oui. Je sais pas. Parce que vous connaissez assez. Voilà. Il est parti, Acer. Il n'est plus là. Mais bon, ça fait partie du jeu. On ne peut pas toujours gagner. Et je ne pourrais plus m'en servir pour faire des tests. Pourtant, j'avais placé un très bon piège autre que le 5 volts. Il s'agissait du rétroéclairage de l'écran, etc. Mais ça, cette vidéo, je vais peut-être la faire un jour. Je sais pas quand, mais peut-être. Voilà. Je voulais juste faire le point, un dernier point pour lui rendre un dernier hommage. Et voilà, c'est tout. Allez, je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.